Bonjour et bienvenue au village miniature Baillargeon. C'est ici que depuis quelques années, à Notre-Dame-des-Pins, en Beauce, qu'on retrouve un étrange village. Un village avec des maisons miniatures, inspirées des plus belles maisons qu'on retrouve dans la magnifique vallée de la Chaudière. Cette œuvre, c'est l'œuvre de M. Ernest Baillargeon, né le 7 septembre 1921 à Sainte-Camille-de-Bellechasse. Et c'est en 1989, à sa retraite, pour occuper ses temps libres, que M. Baillargeon a décidé de construire des petites maisons. Une passion débordante qui deviendra vite un village entier. Et c'est cette œuvre unique que je vous invite à découvrir. Heureusement, avant que M. Baillargeon décède le 7 mars 2013, M. Guy-Paul Côté a eu la chance de réaliser une entrevue avec l'artiste fondateur. Voici M. Baillargeon qui nous parle de sa carrière et des raisons qui l'ont poussé à construire de petites maisons. Vous, vous avez travaillé comme contracteur, mais vous-même, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais des maisons, j'en faisais une pour moi, puis je la faisais à mon goût. Puis je la finissais d'un bout à l'autre, puis je la revendais. OK. Fait que ça a été votre travail, ça. Ouais. Puis, à un moment donné, vous avez fait ça plusieurs années, mais vous avez pris votre retraite. Oui. Aux alentours de 87, vous avez pris votre retraite? Alentours de ça, oui. De 1987. Puis là, vous avez été un deux ans tranquille. C'est ça? Oui. Puis là, je commençais à m'ennuyer. C'est l'ordin. Ça fait que j'ai dit, je vais faire une petite maison cet hiver. N'ai fait une, n'ai fait deux, n'ai fait huit dans l'hiver. Qu'est-ce qui vous a amené justement à faire ces petites maisons-là? Là? Vous avez pensé à ça comment? Quand j'étais jeune, je faisais des grosses maisons. Puis ça m'a toujours. J'ai toujours aimé ça, faire des maisons. OK. Ça fait qu'à la première retraite, je m'en en fais des petites. Je ne pensais pas d'en faire tant que ça, par exemple. Le village miniature Baillargeon contient près de 200 pièces, dont plus de 75 maisons et bâtiments qui reproduisent, entre autres, des constructions réelles de la Beauce et d'ailleurs. Le site est aménagé à l'extérieur, dans un décor naturel, où de petites rues nous amènent parmi les œuvres de M. Baillargeon. Vous y découvrirez un monde fantastique où jeunes et moins jeunes sauront assurément apprécier le talent de cet artiste. Qu'est-ce qui vous a fait choisir de faire une maison par rapport à une autre? Vous m'avez dit que la première que vous avez faite, c'était un hasard. Vous l'avez faite comme ça parce que vous aimiez la faire. Mais après ça? Après ça, ben, ma femme puis mes enfants, ils prenaient des règles de machine partout. Puis quand ils voyaient une belle maison, tiens, on va la poser, celle-là, puis on va lui donner, il va la faire. Il y a plusieurs maisons de Saint-Georges. Mais vous en avez de l'extérieur aussi qui ont été faites. Oui. Pour ça, vous disiez à partir des photos là, qui ont été prises. Mmh. Fait qu'on en retrouve d'un peu partout, aux alentours de Saint-Georges. Oui. Toutes vos petites maisons, il n'y a rien à l'échelle. Non. Non. J'en ai ma maison que j'ai, puis la petite maison est faite à l'échelle. Puis je la trouve pas belle. C'est ça que vous me disiez, vous la trouviez pas belle parce qu'elle était faite à l'échelle. Ouais. Mais vous faites ça à l'œil, comme ça, là. Vous regardez une photo, vous regardez une maison, vous dites, je la reproduis. Oui, ça va être à cette hauteur-là, je vais la faire. Puis... Ça vous prend combien de temps à faire une maison? Ça dépend de la sorte de maison, oui. D'abord, il y a une petite plaque après la maison, puis le temps est marqué, il commence à plus d'heures, puis l'année. Donc, ça, c'est la référence que vous avez pour vos petites maisons. Vous savez le nombre d'heures que vous avez mis là-dedans, tout ça? C'est bon quand on veut aller travailler dans cette maison-là, le numéro est après. Fait que c'est plus facile pour la réparer aussi, parce qu'à un moment donné, il y a des réparations à faire. Ah oui. Hein? Parce que ça fait combien? Ça fait plusieurs années là, que vous en faites. Oui, il y a de faire... Des petites maisons, ça fait plusieurs années que vous en faites. Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans. Ouais. Vous en faites à chaque année. Vous travaillez combien d'heures par jour là-dedans? Ah, en premier, je fais 10 heures par jour. 10 heures par jour? Oui. Ça, c'est une retraite bien occupée, là. 12 heures par jour. Hein? J'ai tout hâte au lendemain pour recommencer. Ah oui? Oui. Fait que la nuit, ça doit travailler, le modèle doit... Bien, c'est pour ça que c'est d'avance, il faut que je les fais la nuit. Puis les amants dans le jour. C'est plus facile.
Travaillez-vous l'hiver dans votre atelier? Je travaille 7 jours par semaine. 7 jours par semaine? Oui. On va dire 6 de base. Vous prenez une petite journée de repos de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Puis là, ça fait bien que 4 heures, 5 heures par jour. D'ailleurs, pour créer ses œuvres, M. Baillargeon utilise parfois des matériaux insolites qu'il récupère. Voici donc où il trouve ses matériaux, quelques exemples de matériaux recyclés ainsi que leur utilisation. Allons jeter un coup d'œil dans le bâtiment. Comment ça fait d'années que vous recevez des gens ici pour visiter les petites maisons? Ah, ça a commencé l'année d'ensuite que j'ai commencé. Ah oui? Au début, vous n'aviez combien? On avait une coupe. OK. Bien, c'est le voisin qui est venu voir ça. Et puis, il a trouvé ça de son goût. Fait qu'il en a parlé à un autre, puis c'est le même que ça a commencé. Fait que là, les gens, en force d'en parler... Ouais. Ils sont venus voir tranquillement, puis vous aviez fabriqué d'autres maisons, vous les avez ajoutées en cours de route. Ouais. Puis ils disaient que c'était tout fait avec du recyclage, fait qu'ils m'emmenaient du recyclage en venant voir ça. Ah, c'est là que tout est c'est arrivé. Oui. Fait que j'ai jamais été en peine, j'ai jamais manqué de morceau. Des affaires que je pensais jamais d'avoir besoin. Des fois, je le serrais dans une remise, là. Puis d'un coup, tiens, ça va bien faire ça. Fait que les gens vous emmenaient même, vous m'avez dit, des grandes vitres, puis tout ça, puis du métal. Là. Des grandes vitres de 4 pieds carrés, là. Ils m'emmenaient ces sites. Je les coupais de la grandeur que je voulais. Pour faire des choses avec. Ouais. Vous aviez de la tôle, tout ça, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Vieux bardeaux d'asphalte. Vieux bardeaux d'asphalte, oui. Qui a servi. Ah oui. Puis elle a plié plusieurs maisons avec ça. Puis en dernier, ben, le monde m'emmenait du bon bardeau d'asphalte et des restants. Là. Et puis, il faisait des couvertures avec ça. Il y a différentes couvertures que vous avez faites avec des matériaux un petit peu inusités, là. Parce que même avec du papier sablé... Ouais. Montrez-moi ça. Comme il y a ici, du papier sablé. Ouais. Ça, on a ça par 3 pieds de large, là. Puis à peu près 8 pieds de long. Puis je prenais ça pour mettre ça à couverture. Puis ensuite, je mettais des lettres dessus, là, pour le lire. Tandis que vous me parlez, justement, de ces matériaux-là qui sont recyclés, là, il y a plein de choses dans votre boîte. Ah oui. Vous allez m'expliquer ça. Vous allez me les montrer puis m'expliquer ce que vous faites avec. On va commencer par celle-là, hein? Ça, c'est des bouteilles de parfum. Vous allez faire quoi avec ça? Ça, Max Haden va faire des petits foyers. Et ça va virer, là, puis on... Ouais. Ça va... Puis vous allez avoir de la flamme là-dedans, ça, ouais, fait que ça va être... de la lumière aussi. Ouais. Ça et tout, c'était des bouchons d'épices. Il y a un rubber tout autour pour rentrer dans la bouteille. Ouais. Ça, je pense ça pour faire des lumières à chaque bord des portes, des petites maisons. Puis ça, c'est des seringues. Des seringues, vous allez en voir des maisons qui sont faites avec des seringues de même. Puis ça, c'est des bouteilles d'insunil. Ça, j'en ai plusieurs maisons faites avec des avec des bouteilles comme ça. Oui. Monsieur Baillargeon ne s'est pas contenté de construire de petites maisons. Il a aussi réalisé plusieurs œuvres insolites telles la Tour Eiffel, la Tour de Pise, le World Trade Center de New York, des manèges, des ponts et plus d'une centaine d'œuvres qui vous feront admirer l'immense talent et l'ingéniosité de Monsieur Baillargeon. Ça, c'est les deux tours jumelles sont faites avec de ça. Ça, il appelle ça des gaffes de pont. Ils ont à peu près 6 pieds de haut, puis à peu près 18 pouces carrés, je trouve. Tout fait avec de ça. Thank you.
M. Baillargeon, aidé et soutenu par sa conjointe Hélène, ont investi plus de 16 000 heures dans la réalisation de leur projet. Après son décès en 2013, c'est M. Serge Gilbert qui rachètera quelques années plus tard le site. Déménagé à Notre-Dame-des-Pins, à l'intérieur du bâtiment, on retrouve la reproduction d'une partie de l'atelier de l'artiste, faute de moyens. M. Baillargeon, en vrai patenteux beauceron, aimait bien confectionner ses propres outils quand il en avait besoin. J'ai acheté le coréeur puis le tipilama. Le restant, c'est tout moi qui ai fait les outils. Je me suis fait une scie à Rubin. Puis ensuite de ça, je me suis fait un petit batteur avec une scale, ça, là. Mm-hmm. Ça, je l'ai faite d'un bout à l'autre, là. Puis elle va bien à cause de ça. Puis ensuite de ça, les bantis, on a fait un gros, pour c'est du gros bois un peu. Puis on a fait un petit, avec la lame de 6 pouces dans la plus grande. Même une lame de 3 pouces. Qu'est-ce qui fait que on pense à tout ça, à fabriquer nos affaires, puis tout ça. Mais ça vous vient comme ça? Ben, faut bien penser à ça. On n'avait pas de scène pour les acheter. OK. Fait que je les faisais. Je les perdais. Tiens, dans le petit moulin-ci, je scie des petites lattes de même pour montrer aux enfants, puis au monde, comment je scie des lattes. Puis un coup qu'ils sont sciés de même, je les passe dans un affaire ici, là, puis ça sort. Ce bord-là, puis je le repasse sur l'océan, ça sort des deux bords. Ah, c'est ça que vous faites, que vous êtes fabriqué, ça? Ouais. Puis ça, je signe mon nom, puis je donne ça aux enfants quand ils viennent visiter. Ils sont bien contents. Des petits cadeaux que vous leur faites, ça? Ouais. Vrai passionné du patrimoine bâti, M. Baillargeon lègue aux générations futures une collection inestimable. Avec des projets plein la tête, il nous parle de son rêve le plus cher. Votre rêve maintenant, là, parce qu'à 89, 90 ans, là, vous rêvez à quoi maintenant pour votre village miniature, tout ça? J'aimerais bien que ce soit dans une bâtisse. Une belle grande bâtisse, là. Ça, c'est mon rêve. Ça fait quelques années qu'on rêve à ça. Pour que ça soit protégé puis que ça devienne quelque chose d'un attrait, là. Puis là, ben, plus ça va, plus je me gagne. Puis bateau, je ne suis plus capable de les réparer. Ça fait que ça va être obligé de les jeter. Puis si on aurait une belle grande bâtisse sur les lots de nain, là, ça ferait bien notre travail. Là. On va organiser ça pour que des gens les récupèrent avant que vous soyez obligés de les jeter. Ah, c'est ça. Hein? On aurait bien ça. Véritable artiste, il n'y a aucun doute que M. Baillargeon aura su laisser sa trace dans la région. On vous invite à venir nous voir pour visiter en personne le site du village Miniature Baillargeon, en espérant vous voir en bourse cet été!